Hello à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Croche Tamaï, je m'appelle Emilie et je suis une crocheteuse addict qui a une petite boutique en ligne dédiée exclusivement aux crocheteurs et aux crocheteuses. Et qui dit boutique en ligne dit un petit livre que j'ai envie de vous montrer parce que j'avais très envie de proposer des livres crochets dans la boutique et là ça y est maintenant je me lance avec en exclusivité cette nouveauté qui vient de sortir et je vais vous en parler sur cette petite vidéo YouTube. Donc il s'agit du livre Harry Potter, la magie du crochet. Et ben, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo là, tout fraîchement, après l'avoir bien feuilleté, je l'ai lu entièrement, pour vous dire ce que j'en pense, mon ressenti, et puis faire un petit peu les points positifs, les points négatifs. L'idée, c'est pas parce que je le vends que je vais vous dire qu'il est super, qu'il faut l'acheter, etc. Non, c'est vraiment de faire une critique constructive pour voir si jamais pour vous-même, il peut être intéressant ou pas, quoi, hein, parce que c'est quand même des fois un achat... C'est quand même un achat de 25 euros. Alors clairement, c'est tout à fait le prix pour ce genre d'ouvrage, sachant la qualité. Je vais pas du tout remettre en question le prix, mais je sais que pour certains et certaines, ça peut parfois être un gros investissement de mettre 25 euros dans un livre. Donc voilà mon avis sur ce livre-là que je vous propose en boutique en ligne. Donc mon site c'est www.crochetamaï.fr. Et je vous remettrai de toute façon l'article en dessous de cette vidéo. Je vous laisse en ma compagnie et je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire si jamais vous avez aimé. Et de partager à tous les fans d'Harry Potter et de crochet. Alors le livre Harry Potter, la magie du crochet, donc c'est un livre officiel des modèles du crochet, donc de l'univers Harry Potter. C'est Liz Sartori qui est à l'origine de ce bouquin et donc il est sous licence officielle, donc il est assez intéressant. Il y a beaucoup de modèles et en plus de ça il y a des petits bonus. Je vais pas tout vous montrer, mais c'est juste pour vous faire un petit résumé de ce que j'en pense et vous dévoiler quelques petites choses de ce livre que j'aime bien. Alors on a cette couverture qui est juste dingue, donc la couverture à l'intérieur, c'est un des modèles qui est pour moi l'un des meilleurs. C'est une couverture avec des petits vifs d'or, une couverture bébé qui est trop mignonne. Alors il la dévoile je crois à la fin du livre pour vous la montrer. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Où est-ce qu'elle est la petite là. Donc vous voyez, elle est vraiment super mignonne cette couverture. Moi j'aime beaucoup. Alors voilà, oui, comme dit, donc le livre est achetable dans la plupart des grandes librairies. Moi je l'ai aussi à disposition de ma boutique en ligne si vous voulez l'acquérir. Donc c'est quand même un gros bouquin de 175 pages il me semble. Et donc il est au prix de 25 euros. Donc ouais, il est assez lourd, il est assez volumineux. Vous avez une belle couverture cartonnée, bien épaisse. Donc vraiment c'est un très très bel objet. Là-dessus, rien à redire. Le livre, rien que lui-même en tant qu'objet, il est vraiment super. Il est très très bien fait. On voit le logo là, c'est carrément une sorte de gravure dorée dedans, en relief. C'est du très joli travail. Alors, pour vous montrer quelques modèles intéressants, donc on a le Choixpeau magique, qui est vraiment très bien fait avec beaucoup de détails. Alors moi, il y a une toute petite reproche que je ferai à ce livre, c'est que, bah, effectivement, comme c'est un livre qui est traduit en anglais, les modèles ont été conçus pour des laines qui ne sont souvent pas possibles d'acquérir chez nous. Bon là, ils prennent de la Liane Brand Earthland. Bon bah celle-là, je l'ai jamais vue chez nous comme marque. Donc si, j'ai vu la Malintosh à un moment, donc celle-ci on peut l'avoir assez facilement. Mais effectivement, il y a certaines laines de marques qu'on ne connaît pas forcément en France et qui sont difficilement acquérables. Là, la Cascade Yarn, c'est pareil.
Voilà, donc c'est vrai que ça c'est le problème de à peu près tous les livres qui sont traduits, c'est que les références pour utiliser les fils sont pas les mêmes que les fils qu'on dispose en France. Voilà, il y a un fil qui s'appelle Ricochet Stroll, moi celui-là, c'est vrai que je ne le connais pas non plus. Là on a bah, pareil, c'est la Ricochet City Tweed, donc il va falloir trouver des équivalents en France. Mais après, une fois qu'on sait de toute façon le métrage et la matière à utiliser, la composition du fil, ça reste assez accessible. Donc on a ce choix peau qui est vraiment super. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer que j'ai bien aimé? La chouette Edwige aussi, elle est très jolie, mais pareil, il va falloir acquérir des fils. Il parle de la Shoe Garbage Bold. Alors après, je pense que c'est possible avec autre chose. Donc c'est une Merino Superwash extra fine, donc celle-ci. Avec 176 mètres pour 100 grammes, c'est l'équivalent à peu près ouais, entre fingering et spa, donc facilement acquérable aussi. Bon, après l'effet broché, ils expliquent hein, que c'est pas le fil qui est comme ça en lui-même, mais c'est un brossage avec un peigne métallique, donc il y a aussi à chaque fois la liste du matériel. Niveau matériel, bon, ça reste des choses assez simples d'accès. Il y a quelques petites choses, bon, il y a des fils de fer, des ce genre de choses pour que certaines réalisations tiennent, mais ça va, ils ne mentionnent pas de marques qui sont pas dispo chez nous. Donc ça, pour ça, c'est du matériel assez générique. Après aussi, comme beaucoup de livres avec des modèles en anglais, petit problème, c'est que eh ben, on va vous proposer des crochets 3,75, 2,25. Et c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de marques de crochets qui proposent des 2,25, des 2,75, des 3,25, etc. Donc ça aussi, c'est un petit point négatif. Mais je pense qu'avec en adaptant l'échantillon, il y a moyen de faire sans. Ça dépend vraiment de la façon de crocheter de certains et d'autres. Il y a ce pull-là. Il y a des pulls qui sont vraiment magnifiques. Et donc, il y a celui-ci notamment qui se construit en commençant par l'encolure. Et après, ben, je pense que c'est un yoke. Si on peut appeler ça un yoke au crochet. Et bon, là, c'est une sorte de. Moi, je pense que c'est du jacquard. J'ai un petit peu lu. Ça me semble en être, mais sans certitude absolue. Voilà, ce pull-là est vraiment magnifique. Je me souvenais même plus qu'Hermione avait ce pull dans le film. Donc à chaque fois, vous avez des petites séquences de films, comme là, voilà, vous avez voilà qui explique d'où est retracé le modèle. Et là, par exemple, vous avez le gilet de Ron. Donc à chaque fois, on a quelques images du film et on a aussi des petites anecdotes sur le making-of notamment, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà pour le pull d'Hermione dans la salle sur demande. Moi, je me souvenais plus du tout qu'elle avait ce pull. Mais là, voilà, là, on vous remet la petite image avec son pull en dessous de sa veste. Et là, on le voit effectivement que c'est dans le cinquième épisode, je crois, quand ben, il s'entraîne avec l'armée de Dumbledore. Ouais, ça pourrait être le cinquième. Donc voilà, il y a des très très jolis modèles. Donc il y a aussi un pull homme, ce qui est assez rare à relever pour des livres crochets. C'est vrai qu'au crochet, on a déjà au tricot, il y a très peu de modèles hommes. Enfin non, déjà au tricot, il y a très peu de modèles hommes, mais au crochet, c'est encore pire, comme il y a déjà très peu de modèles. Donc là, on a la chance d'avoir un super beau modèle qui est inspiré du serment inviolable par les petites fioritures ici. Bon, pareil, ça c'est du jacquard, ça je l'ai lu quelque part. Et franchement, même les couleurs sont vraiment super jolies, je le trouve génial. Autre point vraiment positif pour ce livre, on va pas se mentir, c'est assez peu courant pour le mentionner aussi. Bon, quoique, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement. Mais on a quand même des tailles qui vont du S jusqu'au 6XL. Donc ça correspond à un tour de poitrine de 86,5 jusqu'à 165. Je pense que y a de quoi avoir une large possibilité de morphologie grâce à ces tailles. Ça, c'est vraiment tip-top. Donc vous voyez, par exemple, pour ce pull. Il y a pas mal d'explications. Alors après, par contre, au niveau réalisation, encore un petit truc qui pêche. Mais après, c'est vrai que dans un livre, c'est difficile à retrouver. C'est que pour les points techniques, il n'y a pas de photos. On vous donne les explications, c'est du texte, il faut suivre. C'était vraiment, il y a pas mal de précisions, surtout là des fois et en début de modèle. Je ne peux pas vous le dévoiler non plus parce que le livre est quand même payant et protégé du coup par la même occasion.
il y a pas mal d'explications sur la construction, sur pourquoi telle technique. Donc c'est vrai que c'est détaillé, ça, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que pour certains points, eh ben, peut-être des fois avoir un petit graphique où il y a les grilles à suivre, hein, ça oui. Mais avoir un petit diagramme ou quelque chose, des fois, ça peut... Enfin, c'est ce qu'ils appellent les diagrammes, mais moi, j'aurais plutôt parlé de diagrammes où on voit qu'on pique, enfin vous savez, les petits schémas avec les barres, et on voit dans quel... Enfin, il y a des barres pour les brides, il y a des X pour les mailles serrées, et puis on voit en fait dans quelle maille il faut piquer. C'est vrai que pour certains points, c'est des fois bien utile, et d'avoir quelques images explicatives, ça aurait été pas mal, mais bon, voilà, on va pouvoir pousser, on se serait retrouvé avec un livre de 300 pages au lieu de 175, sans aucun doute. Donc, on va dire que ce livre s'adresse quand même pour des crocheteurs pas trop débutants. J'ai regardé les modèles, il n'y en a pas énormément qui sont vraiment faciles, donc tous les modèles sont notés avec le niveau. Donc par exemple pour ce pull, on vous donne un niveau 2, alors bon, quand même un niveau 2, sachant que c'est du jacquard et que c'est un pull, moi j'aurais plutôt mis 3, voilà, mais ça c'est mon avis. Après, c'est vrai que niveau point, tout le reste du pull est vraiment tout simple, c'est vraiment les manches qui sont un peu complexe, mais c'est vrai que des fois on se pose la question de sur quoi ils sont basés pour établir les modèles. On a ces superbes chaussettes de Julie Desjardins qui sont inspirées de Berthier Crochu, pareil. Bon, alors là ils parlent d'un niveau 3, donc déjà on peut s'attendre à quelque chose de plus compliqué. Bon, c'est vrai que des chaussettes avec un talon, là c'est vrai que c'est quand même un motif un peu spécial. Bon, allez, c'est vrai que 3 là, ça se justifie amplement. Voilà. Pour le pull d'Hermione, par contre, on parle de niveau 3. Bon, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de jacquard. Enfin voilà, c'est vrai que cette petite notion est quand même assez importante, parce que comme ça, on peut se donner une idée de la difficulté de réalisation. Alors on a ces écharpes aussi qui sont vraiment jolies. Par contre, attention, c'est du crochet tunisien, ce n'est pas du crochet simple. Mais soit dit en passant, ce n'est pas très compliqué et c'est un projet parfait pour faire du crochet tunisien pour la première fois. Là, je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est vraiment nickel d'avoir ce genre d'écharpe. Alors, c'est pas le premier point qu'on apprend en crochet tunisien, là on est sur un point tricot ou jersey, ce n'est pas comment on l'appelle, avec juste du changement de couleur. C'est vrai que pour commencer c'est vraiment parfait, mis à part que ça va être un peu long. Bon, après ça c'est le problème des écharpes. Donc voilà, en niveau 1, c'est vrai qu'il n'y en a pas, j'en ai pas trouvé beaucoup. Même celui-ci, c'est le Patronus, qui pourtant est en deux morceaux qu'on assemble, c'est du niveau 2. C'est vrai que pour quelque chose qui est crocheté à plat, je sais pas trop si on peut vraiment parler niveau 2. Alors par exemple, Dobby est aussi au niveau 2. Alors là, voilà, des fois la logique elle est pas... enfin, moi j'ai pas non plus réalisé tous ces modèles là, mais c'est vrai qu'il y a certains modèles de visuel, je me dirais que ce serait plus des fois du 3 que 2. Des fois ils sont un peu ambitieux, je trouve. Donc voilà, en difficulté 1, c'est vrai que je crois que ça manque un peu. Bon, alors on a peut-être cette couverture. Ah non, cette couverture aussi en niveau 2. Donc voilà, à part ça, j'ai pas vu de modèle plus simple. Ouais, des niveaux 1, là, on a le petit coussin là, qui est un niveau 1, voilà. Donc, ah, et puis le plaid du Terry aussi, très joli, et niveau 1 aussi, d'accord. Bon, voilà. On va se quitter ici pour la présentation de ce livre. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer ce livre en boutique, étant une fan de livres d'Harry Potter et de crochet. Pour moi, c'était tout indiqué. Donc moi-même, je pense que je vais faire sur cette couverture-là déjà. C'est obligé. Et un des deux pulls, ça aussi, je pense en faire un. Et bon, après, il y a plein d'autres choses qui me plaisent. Après, il faut juste trouver le temps. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous souhaite un bon crochet. Et puis, je vous dis à bientôt.